Le fonds Jules Isaac, conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, dont je suis responsable, est arrivé à la bibliothèque il y a une dizaine d'années. Il s'agit du fonds d'archives privé de Jules Isaac, qui permet, de, par sa richesse, de reconstituer l'ensemble de sa biographie et de son œuvre, de sa carrière. Alors en effet, lorsque l'on s'interroge sur ce qu'était la France au moment où Jules Isaac vient au jour, en 1877, c'est une toute autre France que celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est la France de la Troisième République, d'une République naissante qui a du mal à s'imposer. Et c'est surtout à partir des années 1894-1897, c'est l'affaire Dreyfus. Il est né par hasard à Rennes, mais sa famille est d'origine alsacienne, sa mère est originaire de Strasbourg, son père de Metz, tous les deux donc des juifs ashkénazes, dans une famille très bien intégrée, bien entendu. Il est issu d'une famille de militaires. Son père était lieutenant-colonel et son grand-père avait même été dans l'armée de Napoléon. C'est une famille française qui est très impliquée dans la défense de la patrie et qui considère que l'armée, c'est en somme le socle même de la nation, c'est le socle du patriotisme. C'est en somme, de ce point de vue-là, on peut dire que Jules Isaac est resté toute sa vie marqué par son enfance et par l'influence de ses parents. His first 13 years were fairly carefree. As a day student, ultimately, at Lycée Lacanal in Sceaux, south of Paris. But within 9 months of his bar mitzvah, he lost both his parents within 6 weeks of each other. His brother-in-law, Salomon Blum, who had married his older sister, Laure, took charge of Isaac and decided it was best to ship him off as a boarder to La Canale. And so that was a difficult year for him. And it was in that year that he first set eyes upon Charles Péguy. Et entre Charles Péguy et Jules Isaac, il y a une amitié très profonde. Isaac a un respect sans limite pour Péguy. Ils combattent l'un et l'autre pour faire reconnaître l'innocence du capitaine Dreyfus. C'est grâce à Péguy qu'il entre dans l'affaire Dreyfus. Et il donne pour ça trois raisons. Il dit son père qui était militaire, c'est pas possible que des militaires se trompent d'accuser quelqu'un d'une telle infamie. Deuxièmement, parce qu'il dit il était juif, et pas parce qu'il était juif, il devait tout de suite prendre la défense. Et effectivement, troisièmement, il dit il connaissait pas à ce moment-là les ravages de l'antisémitisme. Toute sa vie, Jules Isaac est resté profondément républicain, profondément imprégné de la pensée de Charles Péguy et profondément reconnaissant de l'ouverture que Charles Péguy lui a offert pour mieux connaître la France de cette Troisième République. Je précise, comme chacun sait, que Charles Péguy est mort au tout début de la Grande Guerre, en 1914, mais ce qui fait que même après la disparition de Charles Péguy, la référence que Jules Isaac manifeste à l'égard de Charles Péguy est toujours présente. C'est-à-dire que c'est véritablement son modèle. Après des études brillantes à la Sorbonne, Jules Isaac est agrégé d'histoire et de géographie en 1902. Et la même année, au mois de septembre, il se marie avec Laure Ettinghausen, artiste-peintre. C'est quand même intéressant de dire que tout en étant d'une famille très assimilée, très intégrée, donc ils ont fait un mariage religieux. Il est nommé au lycée de Nice, ensuite au lycée de Sens et enfin à Saint-Étienne. Et ça c'est intéressant, Saint-Étienne, parce que pour la première fois, il n'est pas seulement enseignant,
mais il devient chroniqueur de la loi républicaine. Comme une sorte de, il s'implique dans la politique et il a publié, ça c'est méconnu, 64 articles. Et il y a trois sujets qui sont importants qu'il traite. Donc d'abord les relations avec l'Allemagne, deuxièmement le colonialisme et troisièmement les questions d'intolérance religieuse à propos de l'attitude du Vatican. À ce moment-là, il est très jeune, mais il est déjà impliqué dans la politique de son temps. Lui, son rêve, c'est de venir à Paris. Il passe par Lyon, il vient à Paris. Nous sommes en 1914 et c'est malheureusement la Première Guerre mondiale qu'il va faire en combattant de première ligne. Il va être blessé près de Verdun et il reçoit la croix de guerre. Et après la Première Guerre mondiale, il va être nommé donc à Paris au lycée Saint-Louis. La Première Guerre mondiale est pour lui, comme pour d'autres intellectuels du temps, un traumatisme qui marque un tournant dans sa personnalité et dans sa réflexion, puisque dans l'entre-deux-guerres, il va s'intéresser aux histoires comparées de la France et de l'Allemagne, à la présentation qui est faite dans chaque pays par les historiographies nationales de l'histoire de cette guerre qui est encore toute fraîche, qui est très récente. Cela dans une perspective de favoriser le dialogue entre les deux peuples, les deux peuples ennemis. Pendant l'entre-deux-guerres, alors qu'il est enseignant puis inspecteur général, Jules Isaac s'attelle à poursuivre l'œuvre commencée par Albert Mallet, l'œuvre des manuels. Donc, il fait un travail de pédagogue avec son équipe de rédaction pour ses manuels d'histoire de France. Et là-dedans, il essaye d'être fidèle à l'engagement pris avec Peggy, faire tout pour la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et voici qu'il va être à l'origine des deux points de vue. Donc la nouveauté de ces manuels, parce qu'il y a beaucoup d'iconographie pour la première fois, on veut essayer d'éveiller l'esprit critique des élèves. Auparavant, les manuels d'histoire de France adoptaient une perspective uniquement nationale dans le récit qui était fait de l'histoire. Jules Isaac, lui, cherche à fournir, à comparer les deux points de vue, et ce par souci de probité, car il est un historien qui cherche la vérité. Et on a tous remarqué que ce manuel porte le nom de Mallet Isaac, alors que Mallet n'y a pas contribué, puisque Mallet est mort en 1915, mais Jules Isaac pense qu'il a une dette morale vis-à-vis d'Albert Mallet, parce qu'il est tombé au champ d'honneur, et dans le même temps, la librairie Hachette estime que, puisque la collection est destinée en grande partie aux écoles libres, c'est-à-dire aux écoles catholiques, il vaut mieux avoir en couverture le nom d'Albert Mallet, même si ce nom est suivi de celui d'Isaac, parce que Isaac, dans les écoles libres et dans les écoles catholiques de cette époque-là, faisait un peu difficulté. Donc c'est à la fois une dette d'honneur de la part de Jules Isaac et une prudence commerciale de la part de la librairie Hachette. Jules Isaac est mort en 1963. Il y avait reprise de ces manuels par d'autres auteurs, et tout cela sous la très haute surveillance de Jules Isaac, qui n'a jamais cessé jusqu'à sa mort en 1963 de suivre de très près la rédaction, la publication et la diffusion des manuels qui portaient son nom et qui constituaient en somme une collection particulièrement prestigieuse. Après l'arrivée de Hitler au pouvoir, face à la montée des extrémismes, Jules Isaac prend position. Comme il a fait la guerre, il écrit plusieurs ouvrages historiques, notamment il écrit un ouvrage sur Joffre Lanrezac et aussi un autre livre sur les origines de la guerre de 1914. Il est aussi l'auteur d'un troisième livre, Paradoxe sur la science homicide et autres hérésies. Il étudie la relation entre science, technique et conditions humaines. Il prévoit déjà l'explosion de la bombe atomique. Donc à partir de 1936, il est inspecteur général de l'instruction publique, ce qui veut dire qu'il est au sommet
de sa carrière d'enseignant. C'est lui qui gère la carrière de ses jeunes collègues. Et c'est lui qui, en même temps, participe à des réunions avec des historiens allemands pour essayer d'aplanir les difficultés qui peuvent exister dans l'interprétation de l'histoire des deux pays et de leurs conflits. Donc, et puis, en 1939, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il est même président du jury d'agrégation. Inspecteur de l'instruction publique, il n'y a pas de grade plus élevé à cette époque dans le cadre de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire qu'il est véritablement l'un des maîtres de l'instruction publique en France à la veille de la Seconde Guerre mondiale. C'est une personnalité très connue, d'abord grâce à ses manuels. Et voilà que malheureusement, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale va commencer. Et lui, donc, qui était un héros, on peut dire, de la Première Guerre mondiale, croix de guerre, et du jour au lendemain, il va devenir un paria, entre guillemets, un lépreux, puisque avec le premier statut juif, on devrait ajouter statut anti-juif du 3 octobre, donc effectivement, les choses vont se gâter. Parmi les documents très forts de la période de l'occupation et qui ont l'air anodins, il y a dans le fonds Jules Isaac l'ampliation de l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale en date du 11 mars 1941 qui met à la retraite Jules Isaac. Ce document, qui est d'une sécheresse administrative qu'on pourrait qualifier de remarquable, est en réalité la mise en application du statut des Juifs à sa personne. Si on voit ce document hors contexte, on pourrait prendre ce document pour un pur document administratif qui n'est pas motivé en particulier par une décision raciale. En réalité, ce document n'est que l'application administrative, dans une logique impitoyable par le ministère, de la décision d'exclure les Juifs de l'éducation nationale et de l'université. Quelques mois plus tard, il est mis à la retraite, il n'est plus inspecteur général, et il trouve une première refuge grâce à son ami le doyen Bourri à Aix-en-Provence, dans la zone entre guillemets libre, non occupée, jusqu'en 1942, jusqu'au moment où les Allemands, l'armée allemande va occuper aussi la zone sud. Et à ce moment-là, il va être obligé, effectivement, de se cacher. Isaac, le grand moment, c'est en gros le printemps 42. Il est à ce moment-là en zone libre, avant l'invasion de la zone libre par les Allemands. Et son fils, Daniel Isaac, va écrire un premier mémoire. Daniel Isaac s'est déjà converti au protestantisme. Va écrire un premier mémoire sur les relations entre l'Église et la synagogue. Isaac, il fait partie d'un petit réseau de discussions d'intellectuels juifs qui réfléchissent à la manière de finalement se positionner vis-à-vis de ce régime de Vichy et de ses lois antisémites. À travers des conférences, il y a une espèce de revival intellectuel, religieux, dont Isaac va faire partie, quand bien même, lui, il se positionne du point de vue intellectuel plutôt que du point de vue de l'identité religieuse. Il va reprendre le mémoire de son fils, qui est en fait finalement peut-être la première allumette, la première mèche, et il en fait quelque chose de complètement différent, qui va être finalement le manuscrit de Jésus et Israël. C'est en novembre 42, lorsque la zone sud a été envahie suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, qu'il a fallu quitter Aix, parce que, à nouveau, le danger est menacé. Et on ne sait pas de quelle façon, probablement en train, parce qu'il y avait un train de Marseille à Saint-Agrève, Laure et Jules se sont rendus au Chambon pour rejoindre leur fils Daniel, leur Bru et les deux petites filles, je crois qu'à l'époque il y avait deux petites filles. Et alors je ne sais pas s'ils étaient accompagnés de leur plus jeune fils Jean-Claude ou si Jean-Claude les a rejoints. Jean-Claude dit Jeannot qui était peintre. En tout cas, à partir de novembre 42, ils se sont tous retrouvés sur le plateau. Le fils aîné de Jules Isaac était au Chambon-sur-Lignon et d'ailleurs s'est converti au protestantisme. Il a par la suite combattu au sein de l'armée, la première armée française de Delattre de Tassigny. Donc ça n'est pas par hasard qu'il est au Chambon-sur-Lignon.
Mais le Chambon-sur-Lignon, c'est un centre de résistance spirituelle de toute première importance. C'est-à-dire que les protestants sont hostiles à cet antisémitisme chrétien et de toute leur force le combattent. Ce qui veut dire que là, on peut dire que Jules Isaac a puisé beaucoup de son énergie et beaucoup aussi de ses compétences, de ses connaissances sur l'antisémitisme chrétien. Donc, si vous voulez, il ne faut pas sous-estimer l'influence du Chambon-sur-Lignon. Bien au contraire, il faut y insister parce que c'est un élément déterminant dans l'histoire de cette personnalité et dans la rédaction de l'ouvrage qui est terminé en 1944. Alors, j'ai aussi appris grâce aux mémoires d'André Chouraqui que Chouraqui avait été informé que Jules Isaac, l'auteur de ces manuels qui avait bercé ses études d'histoire, était réfugié quelque part dans une ferme et avait besoin d'aide, avait besoin de faux papiers. Or, André Chouraqui était très impliqué dans des réseaux de fabrication de faux papiers sur le plateau. Et donc, il raconte dans ses mémoires comment il est allé rendre visite à cet homme qui était pour lui une légende de l'histoire, et comment il l'a aidé. Et il l'a aidé pas seulement en lui procurant des faux papiers, mais aussi en le présentant à André Trocmé, le pasteur avec qui Jules Isaac a pu nouer des liens, notamment des liens intellectuels, et aussi en faisant bénéficier, et ça a été très important, en faisant bénéficier Isaac de sa connaissance de l'hébreu et de sa connaissance de l'Ancien Testament. Bon. Et ça, je pense que ça a été très très important dans l'élaboration de la pensée de Jules Isaac. Ils ont donc passé plusieurs mois là-bas. Au bout de presque un an, donc en octobre 43, ils ont décidé, Laure et Jules, de quitter le plateau, d'abord pour se rapprocher de leur fille qui était Juliette, donc qui vivait à Clermont-Ferrand, qui était mariée avec un résistant, et je pense que c'était une des raisons. Donc ils se sont installés, ils ont décidé de s'installer au Grand Hôtel de Rion, qui est tout près de Clermont-Ferrand, mais l'autre raison plus intéressante à mes yeux, c'est que Jules Isaac en était arrivé à un point de son travail où il avait besoin de bibliothèque. Et donc, d'une certaine façon, c'est la nécessité de développer ses travaux sur ce qui va devenir Jésus et Israël qui l'a amené à prendre le risque de quitter ce refuge où probablement ils auraient pu rester tranquillement jusqu'à la fin de la guerre, prendre ce risque, se retrouver au Grand Hôtel de Rion et se trouver dans cette situation tragique où, après une réunion clandestine où participaient le mari de Juliette et le jeune fils Jean-Claude qui était venu du Chambon pour participer à cette réunion de résistants, ils ont tous été arrêtés, probablement qu'il y a eu une dénonciation. Donc l'épouse inquiète de ne pas avoir de nouvelles, tout d'un coup il n'y a plus de nouvelles, elle a commencé à téléphoner, et ça n'a fait que multiplier des imprudences, et ils sont renseignés qui téléphone, et un beau jour, la Gestapo, la police allemande, arrive à Rion pour arrêter Laure et Jules Isaac. Mais ce jour-là, par hasard, quand ils arrivent à l'hôtel, il n'y avait que son épouse. Lui, il se trouvait chez le coiffeur. Quand il rentre à la maison, voilà, la gérante de l'hôtel lui dit ce qui s'est passé. Ils sont venus arrêter son épouse et il n'a pas le droit d'entrer dans la chambre. Il faut qu'il reste à l'hôtel. Dans l'après-midi, ils vont venir le prendre, etc. Alors, sous le coup, il ne savait pas quoi faire, mais il a supplié la gérante de le laisser entrer dans la chambre parce qu'il avait dans sa valise les deux premières parties de Jésus et Israël. Et finalement, à force d'insistance, il le permet. Et il prend et met ça dans sa serviette. Il voulait initialement aller retrouver son époux et sa femme. Et puis ils l'ont convaincu que ce n'est pas le cas. Et donc c'est comme ça, effectivement, qu'il va survivre grâce à une chaîne de solidarité. C'est grâce à Germaine Bocquet,
qui, en novembre 1943, elle et son mari, à la suite du démantèlement d'un réseau de résistance à Brive, se sont réfugiés chez une grand-mère dans un coin perdu du Berry qui s'appelle Prout. Et l'instituteur d'un village voisin, Pato, lui demanda d'accueillir une personne dont toute la famille a été arrêtée par la Gestapo. Et sous une fausse identité, désormais il s'appelle non pas Jules Isaac, mais Jean Breton, né à Valenciennes. Il va passer de novembre 1943 jusqu'au printemps 1944, ici, dans cette ferme isolée, où se trouvait la grand-mère de Madame Germaine Boquet. Et c'est là que Jules Isaac va pouvoir continuer à écrire Jésus et Israël. Germaine Boquet lui fournit d'abord la Bible et le missel de Don Lefebvre, et grâce à l'amitié d'un père qui s'appelait le père Klein, elle puisa dans la bibliothèque du couvent du Sacré Cœur d'Issoudun. Voilà comment il a survécu. Et il a passé le reste de la guerre à passer de refuge en refuge. À la fin de la guerre, il est encore plus âgé. Et donc Jacques Madaule, tous les jours, accompagnait Jules Isaac à l'hôtel Lutetia, parce que Jules Isaac espérait y voir arriver sa femme et sa fille. Et il attendait. Évidemment, il a attendu en vain, puisqu'elles ne sont jamais revenues. Et ensuite, après la guerre, ben, il a passé toutes ces années à essayer de réaliser cette œuvre formidable à laquelle faisait allusion sa femme dans la dernière carte qu'elle lui a envoyée de Drancy avant sa déportation. Laure Isaac, son épouse, arrêtée donc à Drancy, se trouvait à Drancy. Elle a pu envoyer à son mari la lettre suivante. Mon ami bien-aimé, nous partons demain. C'est très dur. Et la plus grande souffrance est de ne rien savoir de toi depuis l'affreux jour de la séparation. Mon ami, garde-toi pour nous, aie confiance et finis ton œuvre que le monde attend. Nous sommes réunis encore tous les trois. Les enfants me soutiennent. Dommage qu'ils ne sont pas près de toi. Mais bientôt, nous nous retrouverons. Le cauchemar ne durera pas. Nous t'aimons tant. Et c'est pour toi que l'épreuve est la plus dure. Encore, mais sois patient et prudent, je t'en prie. Ne va pas vers Nevers, où il y a encore des risques de contagion. Il le met en garde. Nous donnerons des nouvelles dès que nous le pourrons et ne savons pas où nous allons. Mais il faut espérer, il faut nous retrouver et il ne faut pas se décourager. Je t'aime, je t'embrasse de toute mon âme. À bientôt, nous allons bien. Et le lendemain, le 28 octobre 1943, d'après le mémorial de la déportation de Serge Klarsfeld, nous savons que le train numéro 61, avec 1000 déportés à bord, qui était la gare de Bobigny à Drancy, s'y trouvaient Laure, Juliette et Jean-Claude, faisaient partie du nombre. Le voyage n'a duré qu'un jour et demi. Lors de l'arrivée à Auschwitz, c'est un jour de Shabbat, un jour de samedi, le 30 octobre, 613, comme par hasard déportés, ont été envoyés directement à la chambre à gaz, 613. Parmi eux, Laure et Juliette. De 1000 déportés dans ce train, il y a eu 42 survivants, parmi eux, notamment, le fils de Jules Isaac, Jean-Claude. Et voici qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Jules Isaac va se retirer à Aix-en-Provence et commence alors les deux dernières décennies de sa vie. Il est mort le 5 septembre 1963, donc il les consacre à un engagement d'exception dans le combat contre l'antisémitisme et pour l'amitié entre juifs et chrétiens. Alors la guerre est terminée et Jules Isaac ne reprend pas ses activités d'inspecteur général, sauf pendant quelques semaines, mais il a dépassé l'âge qui lui permettrait de continuer
à mener une vie professionnelle active. Donc il se consacre totalement à la rédaction de son livre. Et il considère que la publication de son livre, c'est le meilleur hommage qu'il puisse rendre aux personnes de sa famille qui ont été déportées et qui ne reviennent pas. Donc il termine caché la rédaction de ce grand livre qu'il a quasi fini en 1946. Sauf qu'en 1946, une nouvelle interruption arrive, c'est à la fin de la guerre. La publication d'un livre qui s'appelle « Jésus en son temps » d'un auteur catholique, Daniel Robbs, qui va comparer le déicide, donc l'accusation selon laquelle les Juifs auraient mis à mort Jésus, et le génocide, en disant finalement « si Dieu a permis la crucifixion de Jésus, il a aussi laissé les Juifs responsables mourir dans les camps de déportation et d'extermination ». Cette phrase, elle est intolérable pour Isaac, qui va reprendre son manuscrit pour finalement le problématiser davantage et répondre à ce qu'il identifie comme vraiment les racines du mal. Il était outré de voir qu'après la Shoah, qu'il y a encore des auteurs chrétiens qui peuvent dire des accusations aussi terribles que celles de Daniel Robbs. Et voici ce que Daniel Robbs dit. Il n'appartenait pas à Israël, sans doute, de ne pas tuer son Dieu après l'avoir méconnu. Et comme le sang appelle mystérieusement le sang, il n'appartient peut-être pas davantage à la charité chrétienne de faire que l'horreur du pogrom ne compense, dans l'équilibre secret des volontés divines, l'insoutenable horreur de la crucifixion. Jules Isaac réagit par un article véhément qu'il envoie d'abord à la revue Esprit de Mounier, qui refuse, et finalement il va publier cette lettre dans la revue Europe, grâce à Jean Cassou. Initialement, il avait même écrit directement à Daniel Robbs, mais il n'a pas réagi. Et voici le résumé de la pensée de Jules Isaac. « Vous en êtes là, vous, Daniel Robbs. Vous ne voyez même pas que vous renouvelez le geste de Ponce Pilate et que selon la formule du psalmiste, vous vous lavez les mains dans l'innocence du sang des millions de martyrs juifs assassinés à Auschwitz et aux autres lieux d'horreur, fraternellement unis dans la mort à des millions de martyrs chrétiens. » So the letter was published in the July issue of Europe, and it was then that the public at large, or at least French intelligentsia, theologians, historians, took note that this Jules Isaac had been transformed from what they had remembered him as to something new. Daniel Robbs, c'est un auteur de best-seller. C'est quelqu'un qui publie à des milliers d'exemplaires. C'est aussi quelqu'un qui a eu des relations professionnelles avec Isaac, puisqu'il a été un temps professeur d'histoire. Donc il y a ce double rapport entre Isaac et Daniel Robbs, et se surimpose à cette querelle avec Daniel Robbs, qui est une querelle d'intellectuels, qui passe par des revues, l'écho auprès d'une organisation qu'on va appeler le Conseil international des chrétiens et des juifs. Ce Conseil international des chrétiens et des juifs, il s'est réuni à partir de trois associations. Une association américaine, qui est la plus ancienne, qui est créée entre 1926 pour les premiers débuts, 1928 pour l'acte de fondation. Une organisation suisse, qui est créée pendant la guerre en 1942. Et une organisation britannique, qui pareil, date de la guerre en 1942. Elles vont fusionner et elles ont pour but de convoquer une conférence internationale d'urgence de lutte contre l'antisémitisme. Et c'est en 1946 à Oxford qu'on décide de réunir en 1947 à Seelisberg une conférence urgente sur l'antisémitisme et la nécessité vitale de créer un organisme international. The Oxford Conference on Antisemitism happened in the same month
July 1946, as the publication of this letter to Daniel Rops. Isaac had not been invited to the Oxford conference, a conference on anti-Semitism. A conference on anti-Semitism happening, I think, 3 weeks after the Kielce pogrom in Poland, 1946. The continuing anti-Semitism, even after the end of the war, was the impetus for the Oxford conference. As a matter of fact, we can thank Daniel Rops, in my view, for the fact that Jules Isaac was invited to Salisbury. Isaac, à l'époque, il n'est pas très connu, en fait, de nos Suisses, de nos Britanniques et de nos Américains qui sont à la manœuvre de cette conférence. Donc, on va lui demander un rapport, comme on a demandé un rapport à tous ses invités. Jules Isaac va aller à Salisbury pour défendre sa cause. Et donc, il présente un dossier qui s'intitule « De l'antisémitisme chrétien et des moyens d'y remédier par un redressement de l'enseignement chrétien ». Et le texte de Jules Isaac donc, va s'attaquer à l'enseignement. Isaac va du coup reprendre les thèses de Jésus et Israël et les reformater pour en faire un petit mémoire qu'il va présenter à Salisbury. Et où il va prendre une importance toute particulière dans cette commission, puisqu'en fait son rapport va servir de base à la discussion de cette commission. Ils sont assez nombreux hein, dans cette commission, il n'est pas le seul, mais disons qu'il va être la figure qui va rapidement ressortir. Et c'est cette commission-là qui va, à l'issue de la conférence, publier les 10 points de Salisbury, et les historiens qui ont étudié les documents peuvent tracer dans les 10 points de Salisbury la trame des points que Jules Isaac évoque dans Jésus-Israël. Sauf que Jésus-Israël n'a pas été publié encore. Alors les 10 points, il y a les 4 premiers points commencent par le mot « rappeler » et les 6 derniers points par le mot « éviter ». Et en fait, cette charte, donc, il s'agit des consignes qu'on donne à tous ceux qui enseigne le catéchisme aux chrétiens pour présenter le judaïsme dans une perspective nouvelle. Je vais lire quelques-uns des points de Salisbury pour bien les énoncer. Donc, le même Dieu parle à tous dans les deux testaments. Jésus était juif, les apôtres, les disciples et les premiers martyrs aussi. L'amour de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau nous oblige tous dans les relations humaines. Il faut éviter de rabaisser le judaïsme pour exalter le christianisme, éviter d'utiliser le mot juif au sens exclusif d'ennemi de Jésus, éviter de présenter la passion de telle manière que la mort de Jésus incombe aux Juifs seuls. En rappelant qu'une représentation simpliste de la passion risque de pousser à la haine des Juifs de tous les temps, pas que de l'époque. Des recommandations sont enfin données pour étudier non seulement l'histoire biblique, mais aussi post-biblique du peuple juif qui est vivant. Les juifs, j'ajoute moi, ne sont pas que les fossiles de l'histoire. Il faut vivre avec le judaïsme vivant. Pour l'historien d'Aix-en-Provence, pour Jules Isaac, il s'agit là d'un début prometteur. Et ces 10 points de Salisbury seront donc adressés aux églises. Donc, on voit bien l'importance de l'international, parce qu'il ne s'agit pas que de l'Église de France, mais de toutes les églises. Et ces 10 points de Salisbury vont donc vraiment se concentrer sur la déconstruction de l'enseignement du mépris pour le remplacer par ce qui deviendra petit à petit un enseignement de l'estime. Isaac est quelqu'un d'extrêmement méticuleux,
d'extrêmement précis. Et lui, à la base, il a quelques regrets vis-à-vis de ces 10 points de Zeilisberg parce que c'est déjà une réduction par rapport aux mémoires où il avait réduit les propositions qu'il avait faites dans Jésus et Israël. Et tout l'enjeu à partir de 47, ça va être de convaincre les églises catholiques et protestantes de signer cette charte, ou si ce n'est de la signer, du moins d'être capable de la mettre en application. Une année plus tard, paraît le célèbre livre de Jules Isaac, Jésus et Israël. Dans l'ouvrage que Jules Isaac publie en 1948, je pense qu'il faut retenir d'abord la dédicace, parce qu'elle est tout à fait symbolique de l'état d'esprit dans lequel se trouve l'auteur. À ma femme, à ma fille, martyre, tuée par les Allemands, tuée simplement parce qu'elle s'appelait Isaac. Et dans la deuxième édition, en effet, ce ne sont plus les Allemands qui ont tué sa femme et sa fille, mais ce sont les nazis, c'est-à-dire qu'au fond, il ôte à tous les Allemands la responsabilité du crime. Autrement dit, c'est un ouvrage qui a pour but de dénoncer un crime, le crime que les Allemands ont commis et que aujourd'hui on appelle la Shoah. Et ce crime provient précisément de l'antisémitisme, non seulement de l'antisémitisme nazi, mais des origines profondes de tout antisémitisme qui est l'antisémitisme chrétien. Voilà la théorie de Jules Isaac. Et alors, dans son ouvrage, il y a toute une série de propositions pour justifier précisément la thèse qu'il défend. Et dans la 21e proposition, c'est « Quels que soient les péchés d'Israël, il est innocent, pleinement innocent des crimes dont l'accuse la tradition chrétienne. Il n'a pas rejeté Jésus. Il ne l'a pas crucifié. Et Jésus non plus n'a pas rejeté Israël, ne l'a pas maudit. De même que les dons de Dieu sont sans repentance, dans l'Épître aux Romains 11-29, de même l'évangélique loi d'amour est sans exception. Puissent les chrétiens le reconnaître enfin, reconnaître et réparer leur criante iniquité. À l'heure présente où une malédiction semble peser sur l'humanité tout entière, c'est le devoir pressant que leur dicte la méditation d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'ouvrage a été publié à la suite des découvertes que l'on a faites sur l'extermination des Juifs de 1940 à 1945. Pour Jules Isaac, l'antisémitisme chrétien est fondamental. Et quand on dit fondamental, ça veut dire qu'il est premier parmi tous les antisémitismes, y compris l'antisémitisme nazi. Au fond, l'antisémitisme chrétien est responsable, indirectement, bien sûr, de la Shoah. À partir de quel moment la situation des Juifs se dégrade? À partir du moment où le christianisme devient une religion d'État, à la fin par l'Empire chrétien, et donc à ce moment-là, il y a les premiers statuts anti-juifs, etc. Et donc tout se dégrade d'ailleurs par la suite au Moyen-Âge, à partir des croisades, bien entendu. Je voudrais vous citer un texte, c'est la Constitution des Juifs de Rome. L'édito supra gli ebri, c'est-à-dire l'édit sur les Hébreux, sur les Juifs. C'est en 1775, on est 14 ans avant la Révolution française, on est en plein siècle des Lumières, il y a un pape, Pie VI, qui édicte, renouvelle la façon dont les Juifs peuvent se comporter dans le ghetto de Rome. Dans ce texte, il y a tout. Il y a tout. Ramassé dans un seul document, et tout ce qu'il dit s'est passé ailleurs dans d'autres pays. Cet édit sur les Juifs comporte 44 articles. 44 articles qui imposent tout, qui interdisent tout aux Juifs. Je vais vous lire par exemple le premier. Les Juifs ne peuvent en aucune façon croire, ni lire, acheter, écrire, copier, traduire, vendre, donner,
échanger ou aliéner de toute autre manière, sous quelque prétexte que ce soit, titre ou excuse, livre ou écrit irrévérencieux, talmudiste ou autrefois condamné, superstitieux, kabbaliste ou qui contiennent des erreurs contre les Écritures saintes. Premier texte, vous n'avez pas le droit de lire la Torah, de lire votre livre de prières. Un autre article. Il est interdit aux Juifs de construire de nouvelles synagogues ou d'agrandir celles autorisées. Dans le pacte d'Omar, qui règle les relations entre les dhimmis, c'est-à-dire les non-musulmans chrétiens et juifs, il y a exactement le même texte. Il est interdit aux Juifs, en transportant des cercueils, d'utiliser aucun rite, cérémonie ou pompe funéraire, et tout simplement de chanter, de porter des torches dans la rue. Dans le pacte d'Omar, il y a la même chose. Il est interdit aux Juifs d'apposer une inscription sur une pierre tombale. Les pierres tombales doivent être muettes, ne pas marquer le nom. Il est interdit aux Juifs de jouer, de manger, de boire, ou d'avoir une familiarité ou une conversation avec les chrétiens. Ni dans les palais, maisons, vignobles, ni dans les rues, hôtellerie, ni dans une boutique, restaurant, estaminet. Tout est écrit. Il est interdit aux Juifs de monter dans une voiture ouverte ou fermée dans Rome, sauf en cas de voyage. Aucun Juif ne peut passer la nuit à l'extérieur du ghetto. Il est interdit aux Juifs de vivre en dehors du ghetto. Les Juifs des deux sexes doivent porter le signe jaune dont ils se distinguent des autres et doivent toujours le porter en tout temps et le placer à l'intérieur et à l'extérieur des ghettos et dans des lieux habités comme à l'extérieur. Et tout est précis. Les hommes doivent le porter par-dessus le chapeau bien cousu au-dessus et sur le bord, sans voile ni bande, sinon de la même couleur, et les femmes doivent le porter sur la tête à découvert, sans mettre le mouchoir dessus ou quelque chose d'autre avec quoi se cacher. Pour caractériser la vie juive dans tous les siècles du passé, il faut avoir en tête une idée première, fondamentale. C'est que rien n'est acquis. Vous vivez en permanence dans l'incertitude. Contre les Juifs, il y a eu tout. On les a obligés à les parquer, on les a obligés à se marquer, on les a obligés à payer des impôts, à faire énormément de choses. Et jamais au même moment dans tous les pays. L'incertitude, c'est aussi être expulsé. Judenrein, des pays ont été Judenrein, sans Juifs. En Angleterre, en 1290, en Espagne, évidemment, en 1492, et au Portugal. En France, une dizaine de fois, parce que un roi expulsait les Juifs, mais le roi suivant les ramenait pour une raison d'État. Et après, ça repartait. C'était comme ça, en permanence. C'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est que la légende du Juif errant, elle est née là. C'est l'incertitude totale. Et ce qui explique peut-être ce qui s'est passé avec la Shoah, où les Juifs faisaient le gros dos, pensaient que ça allait aller mieux le lendemain. Parce que pendant des siècles, ça a été ça. Les racines sont religieuses. Si l'antisémitisme a duré depuis si longtemps, s'il existe depuis si longtemps, s'il a au travers des pays, des années, etc., c'est qu'il a été promu, il a été conçu, il a été propagé, non pas par des gens avec des couteaux entre les dents, non pas des méchants hommes, mais par des autorités religieuses, légales, légitimes, confirmées. Et qu'est-ce qu'une autorité religieuse ? C'est quelqu'un qui incarne la morale. On va se confesser chez son confesseur qui incarne la morale, qui vous parle des péchés. C'est ça qui est important. C'est comment ne pas croire, après, quand le prêtre ou l'imam vous dit que les Juifs, c'est pas bien, puisqu'il incarne le bien. Saint Louis qui impose la rouelle, c'est-à-dire l'ancêtre de l'étoile jaune, c'est pas un méchant homme, c'est même le bon roi Saint Louis. Les papes qui ont institué des bulles anti-juives contre les Juifs, de mettre à l'écart les Juifs, ont presque tous été canonisés. La théologie joue un rôle fondamental, puisque c'est elle qui façonne les esprits. Et ce sont ces esprits façonnés qui, à leur tour, rédigent l'histoire
et conçoivent l'interprétation qui permet de comprendre le passé. C'est fondamental parce que, à force de mépriser les gens, on sème le poison de la méfiance, du mépris, de la haine, finalement. Et en particulier, au-delà même, sans aller jusqu'à la haine et sans aller jusqu'à l'antisémitisme nazi, on désarme les consciences par l'enseignement du mépris. On désarme les consciences. Après tout, ces gens-là, ces juifs, bon, eh bien, qu'on les mette à part, qu'on les mette dans des ghettos, que l'État promulgue des lois pour les empêcher d'agir librement, pour les empêcher de nuire, comme on disait, cela paraît naturel, parce qu'on a baigné les consciences, les esprits, ont baigné pendant des années, des siècles, dans cet enseignement du mépris. Et lorsque le pire arrive, eh bien, je pense évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le gouvernement de Vichy promulgue le 3 octobre 1940 un statut des Juifs qui interdit aux Juifs d'étudier, qui interdit aux Juifs la plupart d'être fonctionnaires et même la plupart des fonctions, par exemple être avocat. C'est à la suite du statut des Juifs que Jules Isaac est destitué de son poste d'inspecteur général d'histoire et de président du concours de l'agrégation d'histoire. Eh bien, personne ne réagit. On ne réagit pas. Alors, je crois que vraiment l'enseignement du mépris a été un poison qui a empoisonné véritablement les esprits. Parce que les consciences ont été désarmées et après tout que l'État prenne des mesures pour se protéger de ces gens que l'on s'est habitué à mépriser, eh bien, c'est normal. Voilà. Et là, ça devient hyper dangereux. Et là, le pire peut arriver, et le pire est arrivé. Mais ça veut dire qu'il y a une réflexion à mener sur l'antisémitisme chrétien, parce que si on le dénonce, et si on parvient à démontrer qu'il n'y avait aucune raison pour justifier cet antisémitisme-là, toute l'architecture philosophique de l'antisémitisme s'écroule. Donc c'est pour cela que la bataille que mène Jules Isaac est une bataille fondamentale qui a pour but, en somme, de montrer qu'il n'y a aucune justification dans cet antisémitisme chrétien. Il faut insister sur l'idée que Jules Isaac n'a aucunement l'intention de dénigrer le christianisme. Il essaie de comprendre. Il est dans une démarche intellectuelle d'essayer de comprendre ce qui s'est passé en Europe, en terre chrétienne, entre 1933 et 1945. Et donc, là, il est dans une démarche positive. Il n'est pas dans une démarche négative de déconstruction. Il veut simplement montrer qu'il y a que finalement, si les chrétiens veulent rester fidèles à l'Ancien Testament et comme au Nouveau Testament, dont ils se réclament en totalité, eh bien, ils doivent réviser leur connaissance et leur point de vue sur le judaïsme. Et puis, d'autre part, il essaie et il veut travailler avec les chrétiens. Il veut travailler avec les chrétiens. Et notamment, dans son entourage, il fonde l'amitié judéo-chrétienne en 1948. Alors, il y a des juifs avec lui, Edmond Flegg, par exemple. Il y a aussi de nombreux catholiques. Et donc, on a là une volonté de travail en commun. Il y a de la part de Jules Isaac deux démarches qui sont extrêmement importantes. Il parvient à être reçu par le pape Pie XII. Alors c'est une rencontre qui ne dure pas longtemps, quelques minutes.
Mais là, Jules Isaac veut essentiellement obtenir que dans la liturgie pascale, c'est la célèbre, tristement célèbre prière Oremus pro perfidis Judaeis, qui, vous imaginez, que même les enfants qui en y vont dans une église, qui n'ont jamais vu un juif, on leur dit, prions maintenant pour les juifs, perfidis Judaeis. Alors on a essayé de changer un peu, ne pas dire juif perfide, mais de dire juif incrédule. C'est le premier peuple qui croit. Ah, et on s'agenouille pour les païens, mais jamais pour les juifs. Et il veut obtenir que cette situation défavorable aux juifs soit supprimée. Il l'obtient. Et puis la deuxième rencontre avec un pape, c'est avec le pape Jean XXIII en 1960, au cours du mois de juin. Le 10 octobre 1960, Jules Isaac adressait à Charles de Provenchère toute une lettre. Et la même lettre est adressée à qui ? À André Chouraqui. Le pape, je cite, a bien retenu la requête que je lui ai présentée et à laquelle, me dit-on, il porte un grand intérêt. Le problème va être examiné et, si j'en crois les déclarations du cardinal Béat, dans un cadre très favorable. Alors, cela ne se fait pas immédiatement parce que les choses vont très lentement. La rencontre date de 1960. Le Concile du Vatican II va s'ouvrir le 11 octobre 1962. Seulement, effectivement, Jean XXIII confia la rédaction du document sur les Juifs au cardinal Béat, c'est vrai. Mais le document n'a été achevé et publié qu'en automne 1965. Entre-temps, en 1963, et le pape Jean XXIII d'abord et Jules Isaac décède. Malencontreusement, il n'a pas été donné aux vaillants historiens ni au pape. Donc, de voir la concrétisation de son action opiniâtre, il décède le 5 septembre, peu de temps avant l'ouverture de la seconde session du Concile. Lorsque la motion est adoptée en 1965, ni Jean XXIII ni Jules Isaac ne sont vivants, mais cette motion qui dénonce en somme l'antisémitisme chrétien, est donné au moment où les deux principaux auteurs ont disparu. Et c'est, je crois, peut-être ce qui est le plus marquant, parce que cela signifie que ça n'est plus simplement deux hommes qui combattent pour la vérité, mais c'est que la vérité l'a emportée et qu'en somme, elle n'est plus dépendante de la vie de l'un ou de la vie de l'autre.